Et bonsoir messieurs dames, bienvenue dans cette troisième journée de la première semaine de ces LCS NA. Il est 20h30, c'est l'heure du pré-show. Je serai accompagné du bon Gardoum et de l'excellent Nono. Comment allez-vous messieurs? Bah écoute, ça va, on a tout le monde à l'heure, tout le monde chaud avec des games qui devraient être plutôt ouf ce soir quand même. Notamment les Dignitas, Nono t'en parlait tout à l'heure. Ouais, j'ai carrément hâte effectivement que Dignitas Cloud9 arrive. Cloud9, bon évidemment hein. Avant, j'étais chaud pour les TSM et tout. Ils sont effondrés, évidemment, pendant les Worlds. Double Elise qui choque, Zhonkaren qui choque, etc., etc. Maintenant, l'espoir renaît dans l'équipe C9. Ouais, effectivement. Donc on va pouvoir décortiquer tout ça. On va commencer en jetant un coup d'œil au planning de la semaine. Matchs qui sont passés hier et ceux qui sont à venir ce soir. Si, mon bon Mr. Kish, tu as la 7. Oh oui, oh, la transition, les mécaniques de la réalisation. Donc hier, nous avions commenté le CLG Team Liquid. Ensuite, on était passé donc Envious FlyQuest, Echo Fox Immortals, Dignitas Phoenix One. Ce soir, on commence avec un choc quand même. TSM Immortals, messieurs. Bah alors, un ancien choc. C'est l'ancien choc, on va dire. C'est-à-dire que TSM Immortals, c'était les deux top teams de l'année dernière en NA. Avec TSM, un jeu très propre et en termes de macro et de micro, c'était cool. Et Immortals, qui était un petit peu l'espèce de bélier, mais un bélier qui défonçait tout, qui allait tout droit sans trop de problèmes. Là, le truc, c'est que Immortals, on les a vus hier soir. Bah, ils étaient face aux Ecofax, Ecofax qui ont bien joué mais qui ne savaient pas finir une game, du coup Immortals finissent par gagner. Et les TSM qui en ce moment sont pas au meilleur de leur forme avec, avec la super tortue sauvage en AD qui n'est pas incroyable. Je sais pas trop quoi attendre de ce BO, franchement. À une époque j'en aurais attendu beaucoup et là pour le coup je suis plus hypé par les Ecofax que par les TSM. Ouais, on va voir ça. Donc NVS CLG que nous ne commenterons pas bien entendu, commencer à connaître le format. On va enchaîner sur un Dignitas contre Cloud9 qui est la grosse affiche de cette soirée. Mais si on va revenir dessus tout à l'heure. Et Team Liquid contre FlyQuest. FlyQuest qui a fait des choses intéressantes. On va pouvoir en parler. On va commencer par décrypter les rencontres qui se sont passées hier. On va commencer par le CLG Team Liquid. Donc on a pour ça, messieurs, quelques petits moves à vous montrer. Mr. Kish, si tu peux envoyer le premier replay de la Game 1, à moins que tu aies... Très bien, on va tester un petit peu de temps. Ça s'est fini avec un 2-0 pour les Team Liquid hier soir finalement, avec un Lourlo qui a survolé les games. Lourlo qui était vraiment très très bon, il a joué des tanks à chaque fois, hein, c'était respectivement Maokai et Nautilus, me semble-t-il. Il a vraiment bien joué Lourlo, il n'y a pas de souci. Pour moi c'est lui qui a porté sa team. Rainover forcément qui a fait un très bon taf aussi tout de même, mais dans la deuxième game, Rainover c'est pas lui qui a porté sa team. C'est-à-dire qu'il était derrière, je crois, il était à 0-6, quelque chose comme ça. Il s'est fait gang-bang Rainover effectivement, il a pris beaucoup de pression. Bah, du côté CLG, on avait compris où était un petit peu la menace, mais bah, en fait on s'est rendu compte que Lourlo, il l'avait dit en sujet d'ailleurs précédemment, il avait envie d'être considéré comme un gros top laner. Il sort de son année de rookie, il arrive en sophomore avec un peu plus d'expérience, il avait envie de briller et il a sorti des choses vraiment monstrueuses. Bah ouais, le problème c'est qu'il veut être considéré comme un gros top laner et juste après tu vois l'affrontement Flame Looper. C'est pas la même classe de top laner, tu vois. Et pourtant Lourlo a été bon, Lourlo a été très bon. Mais il est considéré gros top laner mais il sera que lourd. Comme ma blague. Merci, Nono. Ah, ça envoie du lourd ce soir. Oh, on est chaud. Ça commence. Ok, du coup, on envoie la première action. Donc, c'était bien du coup Rainover, justement, qui s'exprimait sur son Kha'Zix. Alors. Voilà, t'as mis un poteau, mon bon Alexis.
Alors, on annonce ce soir, il y a eu quelques problèmes techniques. Donc, il y aura quelques petits ratés, mais ne nous en voulez pas. C'est le jeu Maple du 7. Donc, pour le coup, là, ce qui est intéressant, voilà, c'est Rainover, le joueur coréen, avec son Kha'Zix, sur un, du coup, un jungler carry, qui se présente sur le bot side, sur un timing d'agression, tout de suite, la roue de Piglet, le flash out de la part de Stixey, et là, Rainover, pas content, first blood, on enchaîne sur un Afromu, et à partir de là, la game s'envole. L'arrivée de Oui avec la Valkyrie et notamment le package. Et finalement, le problème, c'est qu'il est en isolé face à un Rainover monstrueux qui est en plus backup par une Lulu. On récupère ici 4 kills en faveur des Team Liquid. La game est lancée 2-0-2 sur un Kha'Zix. C'est quand même... c'est dur encaisser pour les CLG, ça. Une réaction peut-être, Nono, sur cette action? Bah, quand tu vois un Kha'Zix double kill à 6 minutes de jeu, tu peux te dire que la game est terminée. Voilà. C'est un peu la réaction qu'avait fait Zab. Il était passé à côté. Ah bah c'est fini. Voilà. Alors, ça a été un peu plus loin. On va avancer d'ailleurs sur... C'est plus que ça même, parce que c'est Kha'Zix qui récupère des kills et c'est un Corki sur la mid lane qui meurt. Et un Corki mid, ça prend quand même énormément de temps avant d'être efficace. Donc si ça meurt dans les games, c'est un scandale après pour arriver à revenir. Ouais. Et on a vu là, les Team Liquid également, l'une de leurs forces qui est mise en avant dans cette action, c'est un teamplay qui est vraiment bon en fait. Ouais. On follow up, l'action qui se passe en plusieurs temps. On a d'abord l'engage de la duo lane, qui est bon classique, hein, on a l'habitude maintenant avec les gros carry AD, press air, avec les Varus, avec les H. Kha'Zix qui arrive dans le bon temps, mais derrière, il y a le reste de l'équipe qui suit aussi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté, t'as un Corki qui arrive avec, en mode package Valkyrie, qui part en V2 en isolé face à un Kha'Zix, qui exauce le Kha'Zix, hein. L'idée est bonne, mais il y a encore la Lulu qui est là. Et juste après, t'as la Cassiopeia qui arrive juste derrière. Et finalement, bah, le move, c'est tout à fait organisé de la part des Liquid. Il y a un petit peu des cousus des CLG qui essayent à chaque fois de sauver les meubles avec ce qu'ils peuvent. Et ça ne passe pas. Exactement. Pour le coup, on va enchaîner sur la deuxième action de cette game qui était particulièrement notoire. C'est en mid-game. C'est à... Voilà. Oula. Ok. Ouais, le Tricaster qui est un peu dans le fromage. Donc Golden Glue à la défense. Team Liquid qui va ruiner. Naro qui part de nulle part, qui va atterrir dans les choux. Mais regardez le flanking de l'Ourlo sur la minimap. Le TP. Et c'est là que l'histoire de ce joueur commence à s'écrire avec un talk-up sur 3 joueurs. Rainover derrière Xenonaker joueur qui se fait lock. L'utile à Lulu qui ne sortira pas malheureusement. Mais l'Ourlo qui n'en a pas fini avec les CLG. Ouais, l'Ourlo qui a été monstrueux dans cette game. Et ce qui est assez incroyable, hein, cette game-ci, c'est que Piglet n'a pas touché une seule arrow. Sauf celle qu'on a vue tout à l'heure, bot, sur le premier move. Sinon, Piglet, à chaque fois, il balançait l'arrow. C'était dodge de partout. Et puis l'Ourlo, il venait faire l'engage, c'est pas grave. Il était tellement fed avec son Maokai en fait que même s'il n'y avait pas d'arrow pour le catch, t'envoies le Maokai au casse-pipe, il n'y a pas de souci, ils peuvent se mettre 5v1, ils ne le tuent pas. C'est vrai que je suis étonné effectivement qu'en 2017, il y a encore des Akari AD H qui tentent des arrows. Alors que quand même, quand les adversaires ont la formation, à moins que tu partes sur une arrow en diagonale comme ça, qui esquive toutes les wards, mais sinon c'est quand même super dur à engage avec l'arrow. Ouais, c'est compliqué. Et là, surtout sur Team Liquid, le fight est remporté alors que l'arrow est raté. Matt n'a pas lâché son ulti avec sa Lulu, qui était l'un des points importants d'ailleurs de la draft de Team Liquid. Cette Lulu qui commence à être une bonne réponse contre Malzahar. Couteur de Malzahar, clairement en fait. Au niveau de Vanling, il y a le cutting qui est bon. Tu augmentes la vitesse de déplacement de ton AD. Si ton AD à tout hasard se fait ulti selon le placement du Malzahar, si tu ultes toi-même ton AD, tu as des chances de le bump. C'est un pick ultra safe face à Malzahar. Hein. C'est un bon counter. Tu pushes pas mal ta lane. Excellent. Ouais, c'était assez lourd, on enchaîne du coup, cette fois-ci c'est à 28 minutes de jeu. Les Team Liquid qui ont envie d'aller porter le coup de grâce, on avance vers l'inhibiteur. Nickel, le buff Nashor qui est récupéré. On est sur un écart de 7000 gold, donc écart important mais encore tenable à ce moment de la game. La phase de siège qui se met en place, pour le coup on avance. C'est un tout droit là, hein. Les Team Liquid, ils sont inarrêtables à ce moment de la partie. On voit très bien la composition des CLG, sur quoi elle est basée, c'est sur du POC évidemment, avec Corki et Varus. Donc à mon avis, ça doit être une game qui a duré assez longtemps, non? Je sais pas combien de temps elle a duré. Alors attends, je vais te dire ça. 34 minutes de jeu. Donc ça, en ça fait, va. En soi, ça reste correct. Ouais. Effectivement, ça reste correct. Mais bon, on voit bien effectivement que si Corki justement et Varus n'arrivent pas à POC au préalable, eh ben, ça va être impossible pour eux d'arriver à dominer des teamfights. Et du coup, en fait, la Team Liquid doit juste attendre l'engage de la part de l'Ourlo. Si l'Ourlo arrive en engage sur un carré type Corki Varus. C'est la fin de la game pour les CLG, à mon avis, c'est ce qui s'est passé, non? Ouais, c'est complètement fou. Et puis, une fois que t'as un Maokai qui est fait face à une team à poke, c'est bien, mais c'est dur de poke un mec qui a autant de HP, qui a en plus le courage du colosse, qui a une Lulu derrière en backup pour le shield. Malheureusement, voilà, c'est le souci des team à poke. C'est que c'est efficace, c'est bien, mais quand le tank en face il est beaucoup trop feed, bah, tu vas taper dans du shield. Et on en voit beaucoup des team à poke. Hein. On va revenir dessus, mais Corki qui fait un vrai retour sur la mid lane pendant qu'on enchaîne sur la prochaine action des Team Liquid.
énorme teamfight sur la top lane avec un Piglet qui n'hésite pas à face tank avec son red buff, Lourlo comme d'habitude à l'engage, Darshan qui se fait split, Darshan qui va se faire vanish et encore un Lourlo, le Maokai immortel qui va pour le up. Là, regardez, regardez Wii qui arrive sur le côté. Le gros paquet, l'ulti d'Alulu, le turn à 3, pourtant il fait tellement de dégâts avec son Corki Wii. Ouais, il fait un bon taf hein, où il a tué avec pas un double kill. Et là, il y a Lourlo, lui, il est parti. Il est complètement à l'opposé. Il arrive à faire un excellent taf sur toute la team adverse. Mais oui, je trouve, a bien temporisé pour sa team, a bien permis de sauver un petit peu les meubles. Étant donné que là, finalement, c'est Lourlo qui a plus qu'à se TP dans la base adverse pour quasiment finir la game. Mais il me semble qu'ils vont res à temps. Il n'arrivera pas à terminer, il me semble, à ce moment-là. Non, il n'arrive pas à finir. Il donne tout ce qu'il a. Il cherche à récupérer la tour. En fait, il récupère la tour. Et le Nexus reste à environ un quart HP quand CLG arrive à repop pour qu'on ait un petit chase ici. Donc voilà, encore, ça montrait bien la puissance de Teamfight et Team Liquid. Et ça montrait aussi que Oui, qui reste quand même un midlaner qui est pas mal décrié en général par les analystes, il est capable de faire un gros boulot avec son Corki. C'est le souci en fait, c'est que Oui se trouve dans une ligue en NA où des midlaners de talent, il y en a pas mal. Que tu aies Bjergsen, Jensen, on va trouver Froggen aussi. Ouais. Là, tu as trois des plus gros midlaners qui est là-bas. Forcément, même si Oui, il n'est pas incroyable, mais il n'est pas mauvais non plus. Quand tu es à côté de monstres comme ça, c'est très compliqué de te faire la place. Ouais, c'est pas évident, effectivement. On enchaîne sur la dernière action de cette game. À 34 minutes de jeu, le call Nashor désespéré des CLG. On vous rappelle la situation. Il n'y a plus de tour de Nexus. Les inhibiteurs, alors, l'inhibiteur au bot est remonté, enfin, est re-up, pardon, mais pas pour longtemps. Ah, c'est la tentative de Nashor. C'est un petit peu, voilà, c'est le fameux NA Shore dont on parle très souvent. C'est, il tente. La roue a touché là quand même. De Piglet. Elle est pas partie. Hein. Elle est pas partie. Regardez le travail de Lourlo. Lourlo qui knock up 3 joueurs encore. XPC qui cherche à rentrer dans la mêlée mais qui se fait contrôler. L'inhibiteur robot qui est tombé hein, pendant qu'on le voyait sur le speed screen. Et là, c'est la débâcle totale des CLG. Double kill pour le top laner Team Liquid. Il a touché Darshan au CAC. C'est pas mal. Au moins, il a touché. C'est un bon début. Mais ouais, c'est l'inconvénient des arrows de H. C'est que malheureusement, le projectile est sympa. Plus c'est loin, plus ça stun longtemps. Ça va jusqu'à 3,5 secondes, hein, on rappelle. Mais ça peut se dodge une fois que tu as la vision. Et c'est un petit peu tout le problème du personnage. Ouais, c'est le souci, effectivement. En tout cas, bon, les Team Liquid qui semblent assez solides. Puisque CLG, on le rappelle, c'est le roster qui n'a pas bougé dans ce split nord-américain. Et qui était quand même pressenti à être un gros challenger. Bah ouais, justement, c'est une des seules teams qui avait de l'expérience à jouer ensemble, etc. Surtout quand on voit que les TSM, avec un seul joueur de différence, hein, le carry AD, on rappelle de Double Lift, on passe à Wild Turtle. La team qui ne fonctionne plus. Avec un seul joueur, ça ne tourne plus. Là, tu as une team, ça reste les mêmes joueurs. Une team qui était quand même solide, milieu de tableau NA, qui avait fait une très bonne prestation MSI et qui, malheureusement, a complètement loupé cette game. Ouais, effectivement. On va passer sur la game 2 pour le coup. On va enchaîner. Alors, là, j'ai été assez expéditif dans le choix des replays. On attaque directement à 32 minutes de jeu. Ce qui était intéressant, c'était vraiment les phases de teamfight. Étant donné que l'early game était en fait assez bien négocié de la part de CLG qui met une grosse pression sur Innover, tu en parlais. Ils mettent sur 0-6, mais en fait, côté Team Liquid, on a réussi à trouver quand même une porte de sortie. Mon bon quiche, c'est quand tu veux. Le point qui est à noter, c'est que Rainover, malgré le fait qu'il était en 0-6, qu'on a essayé de focus à jungle à fond, il était toujours en train d'outfarm le jungle adverse quand même. C'est un monstre ce gars. C'est hier que Rainover a fait 0-6, je crois, dans la jungle, non? Ouais, c'est la game là. Cette game 2, ouais. Avec Azix. Ouais. Mais en fait, le pauvre, c'est qu'il s'est fait spam gank campé dans la jungle de partout. Les CLG n'ont pas voulu le laisser jouer. Pourquoi pas, hein, c'est une stratégie qui est pas bête finalement. T'as vu que Rainover a fait un gros taf dans la première game. Tu dis, on laisse pas jouer. Et le truc, c'est que Rainover, malgré tout, était comme devant au farm. Ce qui est quand même tout à fait respectable. Et qu'à la fin de la game, il a quand même trouvé des opportunités d'aller choper un double ou triple kill, je crois, dans un des derniers fights. Ouais, ça reste Rainover. Hein. Il est assez au-dessus en général. Ok, on peut en voir l'action. Donc, fight sur le bot side. CLG qui est en contrôle de la partie. Hein. 9000 gold d'avance. Triple dragon de récupérer. Ce fameux Rainover à 0-6 qui n'arrive pas à trouver de solution. Ça, oui. Ils sont très, très, très bien. Hein. Mais côté Team Liquid, on a envie de pouvoir finir cette game. On a envie de pouvoir tenir. On a un Twitch pour Piglet, Lourlo pour le coup qui sonne l'engage à Grenade ASM sur deux joueurs et là regardez Piglet qui cleave, qui free DPS quasiment. Et c'est là où Oui a raté son fight pour moi, il a eu peur de Lourlo, il aurait pu au moins essayer de mettre des dégâts, il y avait Rainover, Golden Glue et Piglet qui étaient quasiment alignés sur ses étoiles. Dès que Lourlo s'est avancé, plutôt que d'essayer d'aller jusqu'au bout et de se dire je mets des dégâts, il a reculé. À partir de là, forcément les Team Liquid ont pu comeback hein, au niveau du fight. C'est dommage parce que les CLG n'étaient pas si mal que ça dans la game, il y avait de l'idée. Ils étaient même très bien. Au bout d'un moment, Oui, en fait, il faisait de moins en moins de dégâts avec son Aurelion Sol. Il a fait une super game. Hein. Aurelion Sol, Oui, c'est un de ses pics phares. Ça fonctionne très bien.
mais vient le moment où finalement bah, tu fais plus assez de dégâts au tank parce que tu n'as pas su saisir l'opportunité de fight. Ouais, effectivement, et puis bah, ça c'est un problème qui commence à être récurrent en NA, on en parlait déjà pour EcoFox tout à l'heure. EcoFox. C'est que bah, arriver à finir les parties, c'est compliqué. EcoFox, la team qui, première game, a 5K gold d'avance, première game ils la gagnent, deuxième ils ont 5000 gold d'avance, ils perdent, troisième game ils ont 8000 gold d'avance, ils perdent, et ils ont fait des moves incroyablement ouf les Fox. Mm-hmm. Ils étaient super synchro en termes de moves ensemble et tout, c'était tellement classe. Entre Froggen sur son TF et la dernière game c'était Looper sur un Jace, mais les moves c'était magnifique. Franchement, tu vois ça, tu dis waouh. Et puis tu les vois, ils osent pas aller prendre les objectifs, pas aller se fight, et tu dis mais vous pouvez pas perdre ça les gars, quand même, ça se passe, s'il vous plaît quoi. Et t'as l'Immortal, ils ont même pas eu besoin, je dirais, de bien jouer, ils ont juste bah, tenu un petit peu leur bâtiment, et petit à petit, les EcoFox ont fait erreur sur erreur. Ah, exactement, du coup on enchaîne sur le deuxième move de cette game, 35 minutes de jeu, 3 minutes après la première action qu'on vient de voir, ça se passe autour du Nashor, où il se fait attraper par un lourlot encore complètement précis et vindicatif sur ses coups d'encre. Et derrière Piglet qui se permet de face tanker carrément, qui va mettre énormément de dégâts. Ce pick-up va permettre d'ouvrir le call Nashor et on sait ce que ça peut donner. Ouais. Ouais, à ce moment-là de la game, hein, forcément quand t'as une team aussi solide, un Twitch en late game, ça met d'énormes dégâts. Et on l'a vu, je crois que c'était ce fight-là où Piglet justement reste bien sur la droite en fait, mm-hmm. justement pour éviter son adversaire direct. Il y avait un Jace qui aurait pu aller choper, il restait extrêmement éloigné du Jace. Il était free DPS avec son Ratata, il s'est très très bien placé Piglet. Hein. C'est vrai qu'il a été très bon sur ce BO d'ailleurs. Ouais. Parce que avant le BO, Zab était plutôt à dire Piglet est pas ouf en ADC. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal là-dessus, en effet. Bah, il a une période où il n'était pas incroyable, Piglet, hein, qu'on soit d'accord. Il remonte un peu, et même les Coréens en général. D'ailleurs, avant de venir, je lisais une interview de Moon, donc l'ancien rookie qu'on voit arriver bah, chez FlyQuest, notamment. Et bah, en fait, ce qu'il disait, c'est que l'import des Coréens en NA, ça a du bon parce que ça apporte du skill, mais ça pose souvent des soucis, notamment au niveau de la communication, au niveau en fait, même de l'évolution au sein du groupe, puisque c'est des cultures qui sont très différentes. Et il expliquait qu'il avait du mal, notamment l'année précédente chez NRG avec Gang by Mom, à arriver à trouver ses marques et qu'en fait il se faisait assez écraser en général. Et c'est vrai que bah, là, Piglet, maintenant, c'est la deuxième année où il est en NA. On sent qu'il a trouvé ses marques, il arrive à évoluer et c'est vrai que ce BO, on est la preuve. Ouais, complètement. Hein. C'est bah, petit à petit, plus il y a de Coréens de toute façon, plus même les Américains commencent à savoir comment s'adapter aux Coréens, à ces différentes cultures. Ça marche dans les deux sens, à mon avis. Ouais. Et le fait déjà d'arriver dans un milieu où tu as plus de Coréens, même toi, bah, je pense que tu te retrouves plus facilement à l'aise. Et on va finir bientôt dans quelques années avec des NA full Corée quasiment. On va voir. On va voir. En tout cas, on a une belle recrudescence de talent en NA cette année avec Acadian et Contracts. Pour le coup, on enchaîne sur la prochaine action, 39 minutes et 45 secondes, on est presque à la fin de la partie. On est parti sur une shockwave du futur. On voit encore un Piglet qui met énormément de dégâts. Golden Blue lancé sous Ghost. On a un pick-up là sur Afromon qui s'était perdu. Je pense que le choix de Golden Glue sur Orianna, c'est plutôt bon parce que Orianna, tu peux jamais être excessivement mauvais avec, surtout quand t'as en plus un gros tank que tu peux envoyer au casse-pipe. Pareil, t'as toujours ce petit côté un petit peu support de Orianna. Et du coup, même si à tout hasard tu ne fais pas des shockwave 3K elo, t'as toujours cette possibilité d'assister ta team d'une façon ou d'une autre et d'être utile. Effectivement, puis bon, à 42 minutes de jeu ensuite, quand tu seras prêt Alexis, on a un ace en faveur de Team Liquid qui arrive à finir cette game, qui arrive à renverser la vapeur de cette partie et du coup à s'imposer sur un 2-0. On n'attendait pas forcément ça, hein, puisqu'une fois de plus, bah, CLG c'est censé être très solide. Bah ouais. On va voir d'ailleurs ce dernier fight. Ouais, Lourlot qui a 3-0-8. Hein. 3-0-8, super tranquille, ange gardien. Piglet 4-1-6, très très bien dans sa game. Quasiment full stuff, il manque juste l'upgrade de la QSS en cimetière mercuriel. On va chercher voilà le one shot sur Stix ACP. Derrière Renover se fait instantanément pile par l'ulti de Wii. Piglet se fait catch. Le TP de Darshan, mais derrière la Shockwave qui est excellent de Golden Glue. Et on termine le fight là-dessus. Wii qui a quand même fait un cri de lumière plutôt pas mal. Hein. Il cancel complètement le jump de Renover. Oui. En plein milieu. Et là ça reset, hein, doublé. Peut-être même le triplé pour Renover, non. Ce sera pour Golden Glue et c'est la fin de la partie. Golden Glue qui était peut-être le point faible de cette équipe Team Liquid. Ouais. On rappelle qu'il évolue en duo avec Link au niveau de cette mid lane. Sur la première journée, c'était pas fou, mais là il commence à trouver ses marques aussi. Bah c'est ça, faut le temps à mon avis de
quand tu sais que t'es pas le joueur playmaker de la team, t'essaies d'adapter un petit peu tes picks et tes stratégies, et je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire que là, ils ont un Rainover qui est plutôt au taquet, vraiment, voilà, c'est Rainover très très bon. L'Ourlo qui officie super bien sur les picks tanky, ça tourne bien. Matt et Piglet, la botlane fonctionne bien aussi. Et du coup, il y a comme des joueurs dans la game, donc l'Ourlo qui va pas demander beaucoup de ressources, c'est un tank qui en a pas besoin de beaucoup. Exact. Tu donnes les ressources à Rainover et Piglet, tu mets un match control au mid sur Golden Glue, et je pense que c'est une team qui, dans ces conditions-là, peut carrément bien, bien jouer et faire de bons scores. Non, c'était assez intéressant. Alors pour le coup, il est 20h50, on va pas avoir le temps de passer toutes les actions qu'on avait prévues. On va refaire un petit bilan de ce qui s'est passé, si j'arrive à trouver. Ah, le fameux Froggen Rapid Fire Cannon sur TF. Oui, alors c'est vrai que ça... Qu'est-ce que tu penses, Nono, d'ailleurs, du Rapid Fire Cannon sur Froggen? Bah, c'est une bonne idée pour arriver à trouver une gold card de loin. Ouais, bah 675 de range. Ouais, c'est très bien. Et en plus, après, c'est vrai que c'est embêtant parce que du coup, tu dépenses 2600 gold pour avoir des coups critiques, etc. Mais surtout au niveau de l'actif. Après, pourquoi en fait il a fait ça? Parce qu'il y avait je me rappelle plus très bien des compositions hier. Est-ce qu'il y avait beaucoup de range? Et donc, du coup, il voulait réussir à pick-up parce qu'il n'avait pas d'engage. Donc, c'est pour ça qu'il a fait un Rapid Fire Cannon. Parce que je crois qu'il a joué deux fois TF. Ouais. Et la deuxième fois, il n'a pas fait de Rapid Fire Cannon. Alors, il avait fait le Rapid Fire Cannon au début et il l'a vendu ensuite pour faire un Zhonya dans la deuxième game. Il l'a quand même fait alors. Ça va être core build alors, du coup, maintenant pour Froggen. Bah, c'est vrai qu'il a une déviation qui est particulière sur son TF. Il joue Secular First, là où on a l'habitude de voir les TF quand même partir Lucidité et Brillance. Et puis derrière, voilà, en troisième item, il le fait sur Rapid Fire Cannon. Lich Bane, ouais, ça est, Rapid Fire Cannon, il me semble. Mais du coup, c'est pas mal, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, c'est ce qu'on a dit, c'est peut-être la psychologie un peu Echo Fox, en mode Looper et Froggen, qui sont un petit peu les deux gros joueurs de la team, Acadian qui est pas mal non plus, hein, mais les deux gros joueurs, et en fait, comme on a l'impression qu'ils n'osent pas aller trop loin dans les engages, de peur que les mates suivent pas, et du coup, là, ça permet une engage à distance, comme ça, eux, ils restent safe au cas où ça se passe mal. C'est je fais l'engage, si les potes sont là, c'est bon, on y va. D'un autre côté, si l'engage ne passe pas, moi j'ai ma gold card, je suis à 675 de range, j'ai de la vitesse de déplacement, je peux m'en aller. Et c'est le ressenti moi que j'ai eu en fait sur ce BO. Ouais, c'est vrai, effectivement. Après, il a quand même eu une place d'engage, enfin d'initiateur qui était assez intéressante, et c'est ce qui manquait un peu à ces Echo Fox, qui, on l'a dit déjà quelques fois, hein, ils ont eu du mal à finir ces parties. BO face à Immortals, donc ils sont inclinés, hein, 2 à 1. Ils ont remporté la première game. À la suite d'une draft d'Immortals qui était vraiment étrange, avec une Fiora au top, un Kha'Zix dans la jungle, on avait une Miss Fortune et une Ashe à la bot lane, et à la mid lane, on était sur un Corki, me semble. C'était Corki, me semble, ouais, pour essayer de gérer le TF, et c'est pas passé du tout, quoi. Enfin... Une vraie compo solo queue, sans cesser. C'était un peu gratuit pour Echo Fox. Et encore, ils ont eu du mal, les Echo Fox. Hein. Une nouvelle fois, en fait, les Echo Fox. Bah, cette game 6 n'était pas ouf d'ailleurs. Ils n'avaient pas très très bien joué. Cette game 6, c'était un peu clown fiesta des deux côtés. Les deux équipes étaient assez perdues cette game-là. C'était pas ouf. Alors que deuxième game, paf, tu vois les nouveaux Fox et les nouveaux Immortals. C'est pas du tout les mêmes teams qu'à la première game. T'as l'impression ils jouent bien des deux côtés. Les Echo Fox jouent un petit peu mieux. Ça commence à snowball, ça prend 5 à gold d'avance. T'as un gros tank au top avec Looper sur Maokai. Mais il n'ose pas engage. Et il y a Flame surtout sur Fiora. Et Flame sur Fiora, par contre, il a été très bon. Et ça qui est marrant, c'est que deuxième game, t'as Looper sur Maokai, Flame sur Fiora. Donc les deux jouent très bien leur perso. Game suivante, on a Flame qui est sur Maokai et Looper sur Jayce. Et pareil, donc tu vois que les deux top laners de classe mondiale, quand même, savent à la fois jouer des tanks, à la fois jouer des carries et brillent dans les deux rôles. Ouais, c'était assez fou. Et il y a vraiment eu un changement de visage entre la game 1 pour les deux équipes et la game 2 et 3. Puisqu'on est passé sur une game 1 qui était un peu. J'ai envie de dire molle en fait, entre guillemets, très hésitante, très attentiste. Et bas niveau par rapport à DLCS. Ouais, vraiment. Alors qu'en game 2 et en game 3, on est passé à vitesse supérieure, on a senti les coachs qui ont dû leur remonter un peu les bretelles. Et on avait un niveau de jeu qui était assez élevé, donc c'était un 2-1 pour ces Immortals. On a eu également une confrontation Dignitas Phoenix One, la fameuse line-up Dignitas, qui s'est imposée 2-1. Avec un Sunday de gala notamment, ça faisait assez plaisir. La grosse surprise également qu'on a eue dans la journée d'hier, c'était sur le BO Envious contre FlyQuest. Là où Alexis a joué. Oui, alors il faut savoir que chez Envious, il y a Lyra qui est censé être leur jungler principal, qui est donc l'ancien joueur d'Africa Freaks, top 2 des junglers de Corée quand même, messieurs s'il vous plaît, qui a eu des problèmes de visa et qui du coup s'est fait remplacer par un Alexis. Et c'est ça qui est beau, c'est que Ninja, qui est le midliner principal de Envious, est passé en jungle, Alexkish, est passé sur la mid lane. Et en fait, FlyQuest n'a fait qu'une bouchée d'eux. C'est deux games qui durent moins de 30 minutes de jeu, avec notamment un high sur Corki qui a été complètement fou. Bah après, voilà, ça, c'est les FlyQuest, c'est quand même un petit peu, comme tu disais hier, c'est les C9-2.
C9 V2 un petit peu. Et du coup, c'est une team. C'est une, je pense que C9, c'est vraiment une structure qui fonctionne bien globalement, en termes de management, etc. Et du coup, qui arrive bien à faire monter leurs joueurs, à faire step up leur team. Donc, une fois que tu récupères comme ça des joueurs qui ont déjà une très grosse base, tu as des chances de faire des perfs. Et à partir du moment où les Envy, malheureusement, doivent changer complètement leurs joueurs, enfin, tu peux pas changer de jungler comme ça, tu sais pas forcément jouer avec un nouveau jungler, le playstyle est pas le même, et au niveau des calls même, et du feeling tout simplement des ganks, ça change énormément, d'où le 2-0. Ouais, ça change pas mal de choses effectivement. Donc voilà, c'était pour le petit bilan de la journée d'hier. Au niveau du classement, messieurs, on a donc Cloud9 en première position à 2-0, suivi d'un FlyQuest également à 2-0. Derrière, Team Liquid 2-0 aussi, donc un trio de tête assez intéressant. Immortals derrière en quatrième position, 2-1. Dignitas également coude à coude. Derrière Phoenix One qui a déjà joué ces 5 games de la semaine, qui est à 3-2. Suivi par des CLG, Envious et TSM à 0-2. Et derrière EcoFox à 1-4. On va refaire un point rapidement sur les BO de la soirée. Mon bon Kish, si tu es bon. Et puis voilà, messieurs, on sera bon pour ce petit pré-show. Ouais, ça va être pas mal la soirée qui va être quand même assez intéressante. Le petit TSM Mortals. Je sais pas quoi en attendre. J'espère beaucoup, parce qu'à la base, c'est des teams plaisantes à regarder. Cette année, je ne sais pas. Après, côté Envy CLG, voilà, je pense que les CLG ici peuvent reprendre une victoire quand même. Ils se sont fait battre par les Liquid, mais les Liquid ont été très solides. Ouais, ouais. Après, il faut voir les Envy ce que ça donne, mais s'ils ont encore Alexis, etc., à mon avis, les CLG vont gagner. Dignitas Cloud9, j'ai hâte. J'ai franchement hâte. Le Dignitas Cloud9 va être très intéressant. Et derrière, Team Liquid FlyQuest, ça va être un match aussi d'intérêt. Honnêtement, FlyQuest qui était annoncé comme la pire équipe des NA par la quasi-totalité des analystes d'Amérique du Nord, bien, il sort des choses intéressantes, bien, notamment Moon dont on parlait tout à l'heure, qui fait un très bon début de saison. Donc on va garder un œil là-dessus. Pour le coup, c'est terminé pour ce pré-show, on espère que vous avez apprécié. On va se retrouver d'ici 5 petites minutes pour le premier BO5. A tout de suite.